What's up tout le monde, m'espère nous en forme, nous pas me rouler nous ama photographe et puis créateur de contenu. M'espère que nous style toujours kembe pour une toujours faire prudence, kembe distance sociale, mettez masque nous parce que nous connaît toujours gain Covid là au monde là. Je vais venir avec un petit tutoriel pour nous côté pas montrer nous deux outils dans Lightroom que moi même utiliser en pile. C'est pas toute photo forcément les map use, les map utiliser, les map travail. Et moi aller directement sur avec eux sur Photoshop, maybe bien commander quelques modifications en plus que Photoshop a bon plus accès pour faire, mais là et tout moi utiliser en pile surtout dans les photos les m'a fait les m'a petite quelques photos. OK, so on espère que Titan Balwa c'est là il va il a aidé nous comprendre et outils ça bien et puis à partager l'expérience ensemble. Ça merci. Let's go. Voilà, move Lightroom là, ça c'est 5 photos nous peut sélectionner dans toute photo que tu fais et dans photo car ça yo. Moi j'ai appliqué un preset mais sur lui, créé qui preset est pour alors pour séance photo ça déjà. De façon pour toute photo car game même et m'te dit mood voilà système pour cette là white balance tout ça curve javel tout ça et puis split toning non pas vraiment pas moyen. OK, c'est tout ça me fait là-dedans. Voilà, premier outil n'a pour ensemble c'est outil ça qui sont outils enragés qui c'est gradient filter et ça moi me fait avec par exemple. Dans photo ça ça regarder une grande lumière qui vient là et là vraiment bien le vieux machine là pas vraiment besoin de détails qui dans partie ça là sur ça mon fait mon juste pas outil là moi dragli voilà côté me veut lever là on dit là et puis moi descend exposure là logiquement la vie partie la vie bien noir et ce qui pas déranger parce que me veut attirer attention et spectateur moi veux attirer attention moun qui regarde photo ça dans partie pour les features qui gagne dans machine dans bouton start engine là et ça me fait deuxième lieu bon on toujours fait ça depuis en premier bord là me fait le connia là c'est recadrer mon cadre de format 4x5 tu peux format Instagram parce que c'est là plus pour photo mieux. OK, là me j'attire attention et j'aime dire à spectateur sous bouton ça. So ça me fait, j'aime dire noir, me prend outil gradient là, filter là. OK, on va ajuster là après s'ouvrir pour me créer mood me vle là. N'après là, gien en pile différence. Si me fait before after, OK. Si me fait before after, gien en pile différence. Comme si je directement aller sous bouton en sous partie qui est vraiment une lumière dans photo. OK, so nous copier même preset ça même et réglage ça malé là par exemple me fait pis voilà Snapchat là et style bright to bright d'abord même pour moi même alors descend et temple tout température là et puis good that good juste tirer m'en juste tirer ça distrait nous là parce qu'il nous a besoin de photo nous et vraiment perfect voilà sur la tout grand pile balle café pas forcément me courir sur Photoshop avec photo. OK, et si ça m'a dit on travaille qui pi énorme que ça. OK, là m'ka courir sur Photoshop avec moi cadre encore 4x5 même genre là maybe si mal sur Photoshop m'ka on petit genre plus jouer avec clean un peu petit parti ça là. OK, bon qui pas vraiment ça va les bonnes choses ça. OK, deuxième outil là je nous aime prendre là bon petit encore c'est outil voilà radial là c'est toujours même bagarre il fait avec gradient là bon ça lui même il y a centré sur besoin vraiment dans photo là. Là besoin mettre gentle en valeur. OK, besoin mettre gentle en valeur pour ça me fait moins et m'a changer ça m'a mettre sous mode luminance. OK,
that's good smoothly. Donc voilà. Et puis là, on fait du un peu. Voilà. Nous est là. J'entends envie de plus bright. Et ça me besoin. Et là, on a ça me besoin. Mais attire attention, mon yo, plus vers j'entends là. Ça me fait me créer un deuxième gradient. Ok. Ou orienter de façon capable là. Faderly à 100%. Mais ça, la partie ça qu'on a m'a fait une vertly. Elle m'a descend. Voilà. M'a besoin de vertly, sorry. M'a descend au pas et exposure photo ça. M'a le tour d'actu. Comme j'ai toujours un détail qui a terre. That's better. Maybe na right là. Yes, descend na right là. Shadow m'a monter un peu. Voilà. Bon c'est là, m'a correct. Yes, là m'a correct. Simple deuxième gradient ça là, m'ka just now font si ajuster li highlight, descend highlight la plus shadow la font si monter white. Yes, m'ka font si descend white la tout petit, black la m'ka font si descend et tout. M'ba le trop black tout. Yes, bon c'est là le bon. Et texture la qu'on y a font si monter texture en façon qu'a une détail qui sorti dans jet là et pour non et machine là paraît, non machine là paraît dans jet là. So that's better. Voilà, before and after. Before, after. Si on continue toujours, voilà, dans photo ça, ma machine là déjà. Voilà. Et yes, on va le coupler encore, même genre, on va le top détail, top détail. Voilà. Là on prend gradient là, même genre encore, on drag, on lague. Moi descend opacité exposure là m'pa vle détail et ça ou là trop. OK, bon m'pa ka perdu détail tout. Allez, si nous elle met light là on après que non et on bâtir là haut m'a perdu trop détail. Voilà, m'pa le comme ça. That's good. Même bâtir en l'air à tout. Voilà. On ka combiner avec ça. OK, voilà. Voilà. That's better. Before, after. Before, after. So, c'est deux outils ça. Ils sont un outil rangé. Ils permettent d'orienter le public vers ça ou même ouvrir ou garder. OK? Même bagaille dans photo ça là tout. Je prends ça là. Voilà. Là automatiquement j'ai mon nan côté le pas côté pour côté gain lumière yo. OK, ça c'est sûr. OK, c'est même il pas même dans plus travail que ça. OK, voilà. Une dernière photo nous qui c'est ça photo et rétroviseur machine là et un petit tip c'est là faire photo machine c'est plus van features dans la machine là et tout ça beauté machine features li genre de tout ça ou. Voilà là mais orienter mon vers rétroviseur même genre son bail qui facile. Voilà maybe pour ça got just want to move ça parce que babel trop concentré black and yes now toujours fader. Voilà before after before after. So m'espère tutoriel ça t'est utile nous. Voilà c'est pas vraiment on pile bagaille et même penser que deux outils ça nous apprendre aujourd'hui à penser que nous va pratiquer chercher plus et comprendre utiliser au plus dans photo nous en façon le nap et vle orienter le besoin orienter et public nous envers un bagage directement pour garder les va comprendre. Merci en pile est-ce que participer avec nous après dans prochaine vidéo. Bye bye.